la meilleure chose par laquelle commencer, c'est d'abord, c'est quoi l'effondrement? Parce qu'en définitive, en fonction de la définition qu'on a de l'effondrement, on va voir les choses d'une manière différente. Je vais commencer par dire ce que, dans votre livre, comment est-ce que vous définissez l'effondrement? Appelons l'effondrement de la société mondialisée contemporaine le processus à l'issue duquel les besoins de base, c'est-à-dire l'eau, l'alimentation, le logement, l'habillement, l'énergie, la mobilité et la sécurité que vous mettez dans les besoins de base, ne sont plus satisfaits pour une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Ce processus concerne tous les pays et tous les domaines des activités humaines, individuelles et collectives. C'est un effondrement systémique mondial. Est-ce que vous pouvez développer cette idée? C'est-à-dire, vous, moi, ce que j'entends là-dedans, c'est que l'effondrement, selon vous, il arrive lorsque l'État ne peut plus jouer son rôle. Est-ce que je tape à côté ou... Non, non, c'est tout à fait ça. On peut même le reformuler, enfin, la formulation la plus complète, c'est celle que vous venez de lire, mais on peut le reformuler en disant que à l'échelle planétaire, j'insiste bien sur l'échelle planétaire, c'est pas un effondrement local, comme le fut la chute de l'Empire romain, voilà, à 1500 ans, ou bien la fin de l'île de Pâques, avec ses habitants, voilà, 500 ans. Donc c'est un effondrement mondial, et où, sur aucun territoire de la planète, on ne pourra observer un État digne de ce nom. Un État digne de ce nom, c'est un État qui sait faire respecter la loi sur le territoire dont il s'occupe, qui sait lever les impôts et qui sait contrôler les armes. Eh bien, en gros, c'est à peu près la même définition que celle que vous venez de lire. Il n'y aura plus d'État, plus d'Union européenne, plus d'ONU, et donc une sorte de chaos social, au moins pendant cette période de l'effondrement, dans les années 2025, 2030, 2035, je ne suis pas à 5 ans près, je ne suis pas à 5 ans près, je le répéterai éventuellement. Et ensuite, il est probable et possible, et on peut l'espérer, que de nouveau des civilisations mais locales apparaissent, mais ça ne sera pas sous la forme des grands États-nations actuels. Alors, ce qui est intéressant dans cette définition, c'est que vous mettez le doigt sur le rôle de l'État, mais du coup, pour moi, ça pose une deuxième question. Si des personnes, des groupes de personnes arrivent à continuer, y compris à une large échelle, à assurer leurs besoins en eau, leur alimentation, le logement, habillement, énergie, mobilité et sécurité, mais que l'État, lui, n'est pas capable de le faire, pour vous, on est quand même dans une situation d'effondrement. Je ne sais pas si vous voyez ma question. Si, je vois, mais je ne vois pas comment on peut le faire à large échelle, par exemple à l'échelle de la France, qui est une échelle moyenne. C'est à la fois un grand pays, mais ce n'est pas la Russie ou les États-Unis ou la Chine. Bon. Eh bien, à l'échelle de la France, je ne vois pas comment on peut organiser les services dont je parle, les services de base, hein, je ne parle pas de l'éducation et de la culture, par exemple, s'il n'y a pas une instance régulatrice centrale qui a, comme disait Max Weber, le monopole de la violence physique légitime. Et s'il n'y a pas ce monopole, vous ne pouvez pas organiser 70 millions de personnes, par exemple, comme serait la France en 2030, de manière unique et centralisée. Vous ne pouvez pas le faire, même de manière fédérale. Donc, ou bien on peut le faire sur un grand territoire, un territoire moyen comme celui de la France, pour 70 millions de personnes, et à ce moment-là, il y a un État, ou ce qui ressemble à un État. Ça peut être évidemment, ça peut être une dictature, ça peut être une théocratie, ça peut être une royauté, tout ce que vous voulez. C'est pas la forme. Mais il faut un pouvoir central qui régule tout ça. Sinon, ça n'est plus un État au sens où je l'entends, c'est une communauté résiliente ou une biorégion résiliente, mais la taille importe, insiste beaucoup. Alors il n'y a plus de batterie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça clignote, les gars. Bon, on va mettre une dernière. Alors il y a la dernière batterie. Oui, moi j'étais en train de dire que la taille importe. Alors jadis on disait small is beautiful, mais je partage cette orientation. C'est-à-dire, dans les années 2045, 2050 et au-delà, s'il y a encore une humanité civilisée, eh bien, à mon avis, ça sera sous forme donc, de biorégions résilientes, ce que j'appelle aussi des biotopes de guérison sociale, c'est-à-dire des petites communautés humaines sur un petit territoire. Alors, petit, ça peut aller de 50 personnes à 500 000, si vous voulez. Genre Notre-Dame-des-Landes, la ZAD, genre même le Rojava, qui est maintenant sous les bombes
Les Turcs, malheureusement, les Kurdes se font massacrer par les Turcs, mais le Rojava, il y avait jusqu'à 5 millions de personnes, et on pouvait dire que c'était une biorégion résiliente, avec beaucoup de municipalisme libertaire et beaucoup d'écoféminisme, donc vraiment un exemple de ce qu'il fallait faire. Bon, maintenant, c'est pratiquement mort, hélas, ils sont en train de mourir sous nos yeux, mais c'est certainement pas un État avec 50 millions de personnes et 500 000 km². Donc ça, il n'y aura pas ça dès 2050. Après, je ne peux pas aller au-delà, je ne suis pas Madame Soleil pour vous dire ce qui se passera en 2100 ou 2200, à supposer qu'il y a encore une humanité à cette époque-là, ce qui n'est pas sûr. S'il y a, je le dis à un moment dans le livre, s'il y a ce que j'appelle publiquement un épisode nucléaire, civil ou militaire, il y a une hypothèse non nulle que la vie elle-même disparaisse sur Terre, au moins la vie humaine, donc que l'espèce soit morte en 2050. C'est pas du tout... personne ne le souhaite, bien entendu. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est pas tellement l'épisode nucléaire, encore que vont devenir les centrales et les réacteurs lorsqu'il y aura le chaos social et politique. Personne s'en occupera, donc il risque d'y avoir plusieurs Fukushima. Et d'autre part, c'est plutôt, est-ce qu'il y aura des valeurs qui vont lier ensemble les humains, ou bien est-ce que ça sera le massacre généralisé? Alors, il y aura de toute façon des guerres civiles, des épidémies et des famines, de manière extrêmement lourde. Hein. J'ai du mal à en parler sans trembler, parce que on a vu évidemment de quoi l'espèce humaine était capable dans les deux guerres mondiales, par exemple, du XXe siècle, mais au XXIe, ça va être 10 fois pire. 10 fois pire, donc ça sera absolument horrible, et il est probable, comme le pense d'ailleurs aussi bien Fred Vargas dans son livre d'il y a 4 mois, que l'ONU elle-même, sous la forme du rapport du GIEC du 8 octobre 2018, il y a à peu près un an et demi, ou un peu moins, eh bien, ils disent exactement, alors, en substance, dans les années 2030, il est probable que la moitié de l'humanité court un risque vital. Pour moi, ça veut dire que les gens peuvent mourir pour des tas de raisons, Les premières étant des raisons évidemment de pollution, de montée des eaux, de déplacement de population, de perte de biodiversité. On parlait des oiseaux et des insectes. S'il y a de moins en moins d'oiseaux et de moins en moins d'insectes, la vie en général, et notamment la vie humaine, ne va pas avoir grand-chose non plus, car ils sont extrêmement indispensables à notre vie en tant qu'une espèce dans l'écosystème et dans l'écosphère. Donc si tout ça s'aggrave, comme on ne cesse de le dire, eh bien, il est probable, dans les années 2030, par exemple 2030, que beaucoup de morts arrivent, au point même que moi j'évalue à peu près la moitié de ce qu'on pourrait penser, le nombre de vivants en 2050, soit 3 ou 4 milliards de vivants, dans le meilleur des cas. Et non pas 10 milliards, comme le cesse de me seriner aussi bien l'INED en France, l'Institut National des Études Démographiques, que la division des populations de l'ONU à New York. Tout ça, ça n'arrivera pas. Ça marche toujours, très bien. Super, bon, on va mieux arriver avec la dernière. Oui. La dernière est la bonne. Alors, il y a un truc que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans votre livre, c'est qu'il y a, énormément de gens qui pointent le capitalisme comme responsable. Oui, oui. Et vous dites quelque chose de... Et Absol le disait dernièrement dans sa vidéo sur l'effondrement lui aussi, qui a très bien marché, elle a fait 700 000 vues cette vidéo. Il disait, oui, plutôt que de pointer du doigt le capitalisme, est-ce que le productivisme en lui-même ne serait pas le problème? Et alors, vous dites, je vais vous citer, une partie des écologistes considère encore que le combat principal se nomme anticapitalisme et que, par conséquent, la disparition espérée de ce système suffirait à résoudre la plupart des problèmes sociaux et environnementaux. Vous n'êtes pas tout à fait sur cette ligne-là, c'est-à-dire que vous dites « Oui, mais si on fait disparaître le capitalisme ça, et qu'on continue sur un modèle productiviste, qu'il soit socialiste ou communiste, ou appelez-le comme vous voulez, on n'a pas forcément résolu grand-chose. » Mais exactement. Il y a même, puisqu'on se place dans le cadre de ce qu'on appelle l'anthropocène, donc une nouvelle manière de voir l'histoire humaine à grande échelle, vraiment. Eh bien, il y en a qui disent « Non, mais c'est pas l'anthropocène, ça c'est trop l'anthropocène au point de vue de la généricité linguistique, ça veut dire l'ère de l'homme, et c'est plutôt le capitalocène, parce que le capitalocène, c'est quand même le capitalisme qui est l'ennemi principal et le principal fauteur des inégalités sociales
et de la dégradation de l'écosphère. Non, non. Moi, ceux qui disent capitalocène, je dis communiste, communistocène aussi. Quand on regarde l'histoire réelle, encore une fois, c'est l'histoire de l'URSS ou de la Chine. La Chine contemporaine. Depuis 80 ans, ouais. Désolé, mais disons les dégâts, les inégalités sociales, les dictatures et la dégradation de l'environnement sont vraiment, c'est la même chose du côté du capitalisme, du côté du socialisme réel. Il ne s'agit pas de dire, ah, c'est les vilains capitalistes. Le capitalisme n'est qu'une manière d'appropriation des moyens de production. C'est des moyens qui sont privés. C'est la privatisation du capital. Mais à part ça, c'est ce que je dis d'ailleurs de manière à me la blaguer, mais une centrale nucléaire autogérée par un soviet de base, donc pas du tout capitaliste, mais ça ne m'intéresse pas du tout, pas plus qu'une centrale nucléaire privée. C'est, tout ça est ridicule, en fait. Je suis même étonné de voir que des gens, des espèces de néo-marxistes, pensent encore que l'ennemi principal, c'est le capitalisme. Je ne dis pas que le capitalisme ne produit pas des dégâts, il en produit, mais c'est parce que maintenant il est hégémonique sur le monde entier. Mais en fait, la racine du mal, c'est vraiment le productivisme. Et j'ai écrit dans d'autres livres il y a 20 ans, là, ce qu'était exactement le productivisme avec 7 caractéristiques. Et ces caractéristiques, on les trouve aussi bien dans le capitalisme que dans le communisme, que dans d'autres formes. Ce qui compte, c'est le productivisme. En gros, c'est toujours plus, quoi. Plus de production, plus de consommation. Et là, vous êtes sûr que vous avez des inégalités et la planète au saccage. Alors, justement, toujours, je continue. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce livre. C'est, le productivisme, moi, j'en parle beaucoup sur cette chaîne, donc vous savez tout ce que je pense du productivisme. Vous l'opposez à un modèle que vous appelez le modèle augustinien. C'est vous qui avez, c'est un néologisme que vous avez inventé? Oui, parce que... Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça? Il y a trois manières de modéliser la marge du monde, aussi bien dans le détail que dans la grande marge du monde, par exemple de l'humanité tout entière et du globe terrestre. Il y a la manière productiviste, qui est la première manière, qui est toujours plus, que ce soit pour soi-même. En gros, on est ce qu'un autre philosophe, Veblen, appelait il y a à peu près un siècle. Eh bien, on le voit très bien avec notre époque, disons, très individualiste. On est des globules hédonistes d'augmentation de soi. Ce qui compte, c'est jouir plus, avoir plus. Et le bonheur étant équivalent au bien-être, plus on a, plus on jouit. Tout ceci est faux, bien entendu. Mais c'est quand même ce que pensent 95% des gens actuellement sur la planète. Ça fait quand même beaucoup de monde. Alors, ce truc-là, évidemment, ce modèle qui est poursuivi aussi bien par la Chine actuelle que par l'OCDE, enfin la Chine est dans l'OCDE, que par, disons, les Européens et les Américains et les autres, ce modèle, qu'on appelle le modèle productiviste, ce modèle est condamné vraiment par l'histoire. Et comme je disais à Mélenchon, c'est peut-être dans le livre, je crois, eh bien, ce qui va tuer le capitalisme n'est pas la lutte des classes, c'est la géologie. Alors, il n'a même pas compris de quoi on parlait. Il faut voir à quel point l'imaginaire des politiques actuelles, mais les industriels, c'est pareil, à 99%, ils ne comprennent pas quel est l'état de la situation réelle, parce qu'ils ne lisent pas les rapports du GIEC ou les rapports de l'IPBES. Ce qu'ils pensent, c'est qu'on peut résoudre tous les problèmes en se mettant autour d'une table et en constatant soit les différences, les conflits, il y a des conflits, bien sûr, soit ben, on arrive à des compromis. Mais du moment qu'on a des accords entre humains, on va tout résoudre. C'est une stupide. Il n'y a pas plus stupide que ce genre de réflexion. On se met autour de la table, on va résoudre des problèmes. Ça peut être vrai pour, je sais pas, le système des retraites, et encore. Mais pas pour l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que j'appelle la sustentation de la vie, c'est-à-dire le fait qu'il faut quand même manger, boire, dormir, avoir un habitat, etc. Le reste, c'est les superstructures, comme disait Marx. Bon, alors je reviens à mon propos. Le deuxième modèle, en effet, c'est un modèle qu'on appelle le modèle augustinien, parce que saint Augustin, qui était un curé pas très intéressant par ailleurs, mais enfin bon, quand même un homme intelligent, il a dit, le monde est comme les humains, il naît, il croît, il décline et il meurt. Donc il y a une question de naissance, de croissance, on atteint un maximum, et puis après ça décroît, et puis après c'est fini. Et donc on peut modéliser pratiquement tous les phénomènes de la nature sous la forme de courbes en cloche, comme ça, pratiquement tout. Quelque chose commence, croit, atteint un maximum, une apogée, et après décroît et meurt. Pratiquement tout. Ça dépend évidemment de l'échelle de temps. Mais même des galaxies, elles font la même chose. Et sans parler de la Terre. La Terre est née, on a à peu près 5 milliards d'années, et dans 5 milliards d'années, elle sera morte aussi. Et alors, la Terre, je parle de notre Terre ici, de l'astre. Alors, sans parler des individus, s'il y a bien une chose dont on est sûr, c'est que soi-même, on est né, à un moment, on croit, puis à partir d'un moment, on décline, puis après on meurt, ça c'est sûr. Bon.
Donc ce modèle augustinien est un modèle en cloche, comme ça, où les phénomènes, les processus croissent, atteignent un pic et déclinent et meurent. On peut tout modéliser, y compris les sociétés, c'est le cas dans les faits de la société de l'île de Pâques, des Mayas des plaines, de l'Empire romain, et bientôt de la société thermo-industrielle productive dans laquelle nous sommes. Il va y avoir une mort que j'estime, malheureusement là, extrêmement imminente. C'est 5, 10, 15 ans. Je ne suis pas 50 ans, je le redis. Mais c'est imminent absolument. Bon, alors personne n'y croit, ça. Hein. Je dois le dire que moi, je parle beaucoup parce que je suis encore dans le monde politique. J'ai beaucoup d'amis associatifs, comme tout le monde, hein, d'ailleurs. Eh bien, le déni de ce type, disons, d'annonce de l'effondrement, le déni est absolument universel. Les effondristes, les catastrophistes, les collapsologues en France sont peut-être quelques centaines et puis quelques dizaines de milliers dans le monde. Mais la plupart du temps, les gens disent « Mais non, ça n'existera pas, l'humanité s'en est toujours tirée, l'effondrement ne va pas arriver, tu étais pessimiste, t'es extrémiste, t'es radical. » Ce qui est ridicule, tout ça c'est des sentiments. Moi je ne fais pas de sentiments, je regarde les courbes qui sont proposées par les savants d'ailleurs. Moi je n'ai pas inventé tout ça. Il faut lire les rapports du GIEC, les rapports de l'IPBES, les rapports du CNUE qui s'appellent GEO, Global Environmental Outlook. Et c'est des rapports qui sont tous les 3 ou 4 ans et le rapport actuel consiste à dire, écoutez les gars, attention, il y a 4 ans auparavant, on s'est beaucoup trompé, c'est beaucoup plus grave qu'on vous le disait il y a 4 ans. C'est ce que disent les savants eux-mêmes. Et donc, dans 10 ans, 15 ans, enfin bon, eh bien tout ça va s'effondrer au sens de ce que je dis dans la définition. C'est-à-dire que, parce qu'il faut avoir une vision systémique. Le problème, c'est que la plupart du temps, on a une vision analytique, on pourrait dire même naturaliste, comme dit Philippe Descola, c'est-à-dire à la cartésienne, quoi. C'est-à-dire on analyse les choses petit bout par petit bout. Alors dans tel secteur, on devient extrêmement puissant et extrêmement détaillé et fin, et même intelligent, mais dans le secteur d'à côté, on est complètement idiot, parce qu'on ne connaît rien de rien. Et donc il faut avoir une vision systémique des choses, tout se tient à l'ère de la mondialisation, tout se tient. Le prix du porc breton dépend maintenant des marchés mondiaux de Chicago. Auparavant, c'était à l'Oudéac, là, à 100 km d'ici que ça se faisait. On n'était pas dépendant. Maintenant, on est dépendant de tout, pour le verre, pour tous les appareils mondialisés, évidemment, comme les smartphones, comme tout ça. Tout se tient. Et donc, il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Liebig, je ne sais pas si je l'ai marqué dans le livre, qui, lorsqu'il y a un processus multifactoriel, la performance globale du processus dépend du facteur le moins performant. Et il suffit qu'il y ait un des facteurs qui pète, un des dominos, si vous voulez, et tout le château, en quelques mois, tout le château de dominos s'écroule. Cette pensée systémique, qui n'existe pas du tout ni à Bercy, ni dans la pensée française en général, fait que je suis quasiment certain de cet effondrement. Parce qu'on voit bien, disons, les facteurs qui vont s'effondrer les premiers. On voit la biodiversité, on voit le changement climatique, on voit même le système financier. Le système financier, on n'est pas à l'abri. Je vais boire un coup encore à force de parler, je sèche. On n'est pas à l'abri. Ils ont un deuxième crash comme il y a eu en septembre 2008. Hein. Merci. Et à ce moment-là, ce crash pourrait être considérable. Au lieu d'évaporer 15 000 milliards de dollars, vous pourrez évaporer 150 000 milliards de dollars. C'est-à-dire à peu près le PIB mondial d'un seul coup. À ce moment-là, c'est la fin du monde. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Ça peut arriver. Et même, je suis sûr, ça va arriver. Alors, est-ce que c'est financier? Est-ce que ça sera économique? Est-ce que ça sera politique? Est-ce que ça sera agricole? Est-ce que ça sera la biodiversité avec les pollinisateurs qui s'effondrent, etc. Si vous n'avez pas de bourdon, il n'y a pas de tomate. Hein. C'est ce que je dirais sur les Chinois qui sont obligés de polliniser à la main maintenant parce qu'ils ont tellement de massacres. Ça ira pas très loin. Hein. Polliniser à la main, on peut le faire un temps, mais il y a une limite. Je suis en fait le plan de votre livre, donc oui. On reparlera du déni. Vous avez un peu parlé du déni de l'effondrement, mais on en reparlera un petit peu à la fin. Je vais essayer d'avancer parce que la première partie ça va clignoter là. Là pour le moment ça va. C'est vrai que je vais quand même vous rajouter vous poser la question sur la jeunesse parce que c'est je remets une question là-dessus quand même. On n'est pas tout à fait sur la question de la surpopulation, mais vous avez brièvement abordé la question de l'âge tout à l'heure. Mm-hmm. Et effectivement,
En ce moment, globalement, on a l'idée que le jeune, c'est bien, tout ce qui vient des jeunes, c'est bien. Vous, c'est très intéressant parce que vous expliquez les avantages des personnes âgées dans la société. Et vous dites quelque chose qui rejoint la démographie. La solution à un vieillissement de la population ne peut être l'augmentation de la proportion de jeunes, car ces derniers deviendraient un jour vieux à leur tour et réclameraient encore plus de jeunes. Ce qui est une fuite en avant, la situation ne ferait que s'aggraver. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi. Vous parliez des retraites de tout à l'heure. On est dans un système de retraite. On n'est pas dans un système de retraite par capitalisation, on est dans un système de retraite par répartition. Donc, on a besoin qu'il y ait des jeunes qui arrivent pour payer les retraites des vieux. Des vieux, oui. Le problème, c'est qu'il y a une limite à ça. Plus on fait venir de jeunes, plus ces jeunes deviennent vieux et plus on aura besoin de faire venir de jeunes pour payer les retraites des jeunes. C'est le problème actuellement. Il y a beaucoup de problèmes dans l'Union européenne sur la politique des migrations. Et même, on a vu le discours de Macron qui a changé récemment, il y a quelques jours, Macron récemment, par la voix du Premier ministre, a dit oui, il faudrait faire des quotas par profession, par exemple. Et pourquoi ? Parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas assez de jeunes en France pour faire notamment les professions les plus dégueulasses, professions de surveillants ou des boueurs, des trucs comme ça. Et donc, il faut ces gens-là. Mais évidemment, uniquement ceux qu'on veut, les nouveaux esclaves, pour pouvoir payer nos retraites à nous, les Européens de souche. Donc c'est un raisonnement absolument affreux et ridicule du point de vue démographique. Ça tient pas 20 ans, ce truc-là. Donc, mais évidemment, c'est le raisonnement classique depuis Alfred Sauvy. Alors, la retraite par répartition, c'est formidable, c'est la solidarité entre les générations, mais comme, évidemment, les nations croissent, on dit « Ah, mais regardez les Allemands ne font plus d'enfants, madame ». Ils ne font plus d'enfants, alors que la France est quand même maintenant encore assez féconde, encore comme on doit être à 1,8, 1,9 par femme. On commence déjà à baisser. Mais les Allemands, les Italiens, ils ne font plus d'enfants, et tout le monde est là et pleure, oh là 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 là, les pauvres Allemands, ils deviennent vieux, c'est terrible. C'est ridicule comme raisonnement, absolument ridicule. C'est la fuite en avant, toujours plus. Ça ne tient pas. On va enfin arriver sur la deuxième partie, donc le scénario central. Deuxième partie. Alors vous avez déjà un peu évoqué les biorégions tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous pouvez définir ce que vous appelez une biorégion, s'il vous plaît, et puis m'en parler un peu Oui. Alors d'ailleurs, outre ce livre qui a été écrit en 2019, on a écrit un autre livre avec mon association, l'Institut Momentum, qui s'appelle Biorégion Île-de-France 2050, car on a passé une convention avec la SNCF qui nous a dit comment ça va être l'Île-de-France en 2050, et notamment du point de vue de la mobilité et des transports. Donc on a fait une étude qui sortira sous la forme d'un livre d'ailleurs en 2020, et où je suis co-auteur avec deux autres, et on a vraiment... Alors, la biorégion, ça vient d'une part d'une tradition géographique qui est basée justement sur cette idée de « small is beautiful », c'est-à-dire que si on veut vivre à la fois en paix et dans des bonnes conditions, c'est que trop grand, il y a des maux, M-A-U-X, intrinsèques, quand on a trop de gens sur un petit territoire, quand on est trop nombreux. On le voit pour l'Île-de-France, on est 12 millions d'habitants en Île-de-France, sur un territoire qui est assez petit, eh bien les maux ne sont pas résolubles en Île-de-France. Le problème des transports, le problème de l'habitat, le problème même évidemment de l'empreinte écologique, notamment l'empreinte énergie et l'empreinte, on peut dire, alimentaire, on peut le distinguer pour ceux qui ne connaissent pas l'empreinte écologique, mais enfin allez voir le site du WWF en Suisse, et vous explique ce que c'est, eh bien l'empreinte alimentaire de l'Île-de-France est considérable, l'empreinte énergie aussi. C'est-à-dire qu'on importe des hectares fantômes d'un territoire qui n'est pas le territoire de l'Île-de-France, mais un territoire extérieur. On vit aux dépens des autres, on est totalement dépendant des autres, donc c'est une vulnérabilité absolument terrible. Alors pour ça, on essaie d'inventer le concept de biorégion. Une biorégion, c'est basé non pas totalement sur le déterminisme écologique, qui voudrait dire que la forme de civilisation et la forme de culture d'une région est presque entièrement déterminée par sa géographie, sa géologie et son écologie. C'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même beaucoup plus ça que les formes politiques actuelles. Les formes politiques, c'est des formes où c'est entre humains qu'on a discuté, ici c'est chez toi, ici c'est chez moi. On le voit bien par exemple pour tout ce qui concerne le Moyen-Orient, ou même l'Afrique subsaharienne, l'Afrique en général. Vous avez remarqué dans les cartes ont des frontières toutes droites comme ça. C'est des traits qui ont été faits par des géographes français et anglais
à la suite de la guerre de 14-18, ils ont fait les traits. Ils disent, bon, ben, d'un côté, c'est le Niger, de l'autre côté, c'est le Burkina Faso, etc. C'est totalement ridicule. Ils ont créé comme ça l'Irak, l'Iran, c'est des frontières droites. Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a des écosystèmes? Est-ce qu'il y a des bassins versants? Est-ce qu'il y a des forêts? Est-ce qu'il y a des fleuves? Est-ce qu'il y a le Tigre et l'Euphrate? On s'en fout. On fait des traits comme ça. Ils ne sont jamais allés sur le terrain. C'est ça, vraiment, la géographie humaine. C'est ridicule. Bon. Et donc, tout ce qu'on dit, c'est qu'il faut redonner à la géographie physique, c'est-à-dire la première chose pour un écolo comme moi, c'est où est-ce que j'habite? Est-ce que j'habite dans une plaine, dans un plateau, dans une montagne, peut-être comme vous en Franche-Comté? Ça dépend, parce qu'il n'y a pas que les montagnes en Franche-Comté. Est-ce que j'habite aussi, quel est le type d'animaux, quel est le type de flore, de faune? Est-ce que c'est humide? Est-ce que c'est un climat tempéré? Est-ce que c'est au bord de la mer? Est-ce que c'est au contraire en Auvergne? Enfin, etc. Il faut regarder vraiment l'habitat et la géologie, le sol, le sous-sol et le climat là où on est. Et à ce moment-là, on détermine un territoire qui peut être grand, en gros, en moyenne, comme un canton, quoi. C'est à peu près un canton. On appelle ça des pays ou des biorégions. Et là, il y a des tas d'écoles, toutes les écoles, disons, de géographie un peu libertaire, comme les territorialistes de l'école de Lyon, à Lyon, en France, ou bien leur Alberto Magnaghi, qui est un grand géographe italien, et ils ont fait ce qu'ils appellent le biorégionalisme. Il y a également des Californiens qui ont fait ça, dans les années 60-70, les Californiens, ils ont fait le biorégionalisme, qui consiste à mélanger des considérations politiques avec des considérations territoriales, de composition du sol, écologique, climatique et géologique. On mélange les deux, et on essaie de, disons, d'avoir un territoire le plus adéquat en fonction de la population et en fonction des aspects biophysiques du territoire où on est. C'est ça le biorégionalisme, et c'est ça qu'on peut construire, enfin qu'on voudrait construire en France, et ça, dans le rapport qu'on a fait pour la SNCF, on découpe l'Île-de-France en 8 biorégions. D'accord. Mais donc, ce qui est intéressant dans votre façon de voir, en fait, c'est que vous parlez de limites géographiques, c'est-à-dire que vous êtes ancré dans les réalités physiques. Oui. De mon expérience en Franche-Comté et même ici en Bretagne, il y a une identité, quelque chose de culturel qui parfois va au-delà de la réalité physique. C'est-à-dire qu'il y a, un fleuve qui va trancher et qui va séparer deux espaces physiques, et pourtant il va y avoir une connivence culturelle et identitaire entre les gens qui vont faire que le fleuve va s'effacer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah ben, je vois très bien. Mais les deux exemples très connus. Là, la Bretagne, on est un exemple, parce que les Bretons, depuis qu'on est là, les gens nous parlent beaucoup de... Il y a plein de signes bretons de partout. Oui, disons, le nom des villages, évidemment, oui, est sous-titré en breton. Bon, mais ça... Bon, mais on le voit bien avec les Catalans du côté Est, ou bien les Basques du côté ouest, c'est pas les Pyrénées qui ont séparé les Catalans ou les Basques. Alors qu'on dit, c'est quand même une frontière naturelle, c'est les Pyrénées. Une montagne, littéralement, qui les sépare, et pourtant... Oui, je suis d'accord avec vous. Mais c'est évidemment l'histoire qui fait aussi les populations. Donc c'est une histoire millénaire qui fait que les Basques, il y a eu les deux côtés des Pyrénées, les Catalans aussi. Ceci étant dit, il faut essayer de voir s'il n'y a pas aussi une unité plus petite, parce que quand même les Catalans et les Basques, c'est assez gros, c'est quand même des centaines de milliers de personnes. Moi, je vise un peu comme le meilleur exemple actuel. Il y avait deux bons exemples. Il y avait la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui continue, sont quelques centaines, et puis il y avait le Rojava. Je dis il y avait parce que là, ils sont en train de mourir, les Kurdes. Il n'y avait pas que les Kurdes, d'ailleurs, il y avait même des Juifs, il y avait des Assyro-Chaldéens, il y avait des Arabes. Il n'y avait pas que les Kurdes, et il y avait même des Iraniens, qui ne sont pas du tout évidemment des Kurdes. Donc tout ça, c'était très mélangé, mais ils avaient fait une belle biorégion résiliente, parce qu'ils avaient étudié, grâce à leur leader bien-aimé, Abdullah Öcalan, qui est en prison. Il va finir par battre d'ailleurs le record du monde de Nelson Mandela, il a dû faire 27 ans ou 28 ans de prison, Nelson Mandela, en Afrique du Sud. Öcalan, ça va faire 21 ans qu'il est en prison en Turquie, considéré comme un terroriste, quoi. Mais il avait lu Murray Bookchin ou bien Alberto Magnaghi, c'est-à-dire des intellectuels, disons, européens ou occidentaux, et les écoféministes aussi, Et ils avaient bâti cette biorégion du Rojava, c'était écoféministe et écologique, c'était très beau. Mais maintenant, maintenant, ça a été tué. C'est insupportable pour les Turcs qui sont des dictateurs, et pour Bachar, pareil, d'avoir des gens aussi libres et aussi écolos. Très bien. Alors,
Là, on va en arriver à l'électricité. Ce que vous dites sur l'électricité, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu dans lequel on est qui ne vont pas forcément être d'accord avec vous. Vous dites que pour vous, on n'aura pas, on n'aura plus en 2050 d'électricité, même issue de renouvelables. C'est-à-dire pour vous, même les éoliennes, même les panneaux solaires, on n'en aura plus en 2050. Alors, prenons d'abord... Est-ce que je caricature pas votre position? Non, c'est absolument ce que je crois. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas en 2150. Là, je parle de 2050, oui, dans 30 ans. Oui. Mais les panneaux solaires, comme vous dites, c'est les panneaux photovoltaïques, bon, qui évidemment expriment et réalisent de manière matérielle une propriété extrêmement intéressante, disons de la physique nucléaire, hein. C'est-à-dire qu'un photon peut faire changer d'orbite un électron. Et c'est ça qui fait le flux d'électrons et finalement l'électricité photovoltaïque qui au départ est du courant continu. Donc c'est magnifique comme propriété au point de vue de la connaissance scientifique du monde, c'est très très beau. Mais, d'une part, il faut avoir plutôt du courant alternatif, enfin ça c'est un détail, et puis c'est quand même de la high-tech. Et je ne vois pas comment une civilisation, comme la civilisation thermo-industrielle qui s'effondre, pourra continuer à faire de la high-tech. C'est absolument impossible. High-tech, ça veut dire qu'il faut des laboratoires blancs, pratiquement sans impureté. Il faut évidemment des ressources naturelles qui viennent du sous-sol, qui viennent de tous les pays, notamment des terres rares qui viennent essentiellement de Chine. Les terres rares, il y en a un peu partout. Il y avait même à La Rochelle, il y a encore 100 ans. Et il y en a encore. Maintenant, le problème, c'est la teneur en minerai. Si vous avez une teneur qui est trop petite, les terres rares, il y en a partout, même dans mon jardin, là, il y en a, bien sûr. Mais si la teneur est trop petite, ça coûte trop cher. Donc personne ne le fait. Bon, et puis c'est la même chose pour... Alors je ne crois pas... Moi j'ai une photovoltaïque sur ma maison, on l'a vu. Mais bon, c'est ma fille qui a insisté, bon, photovoltaïque. Ça durera que ça durera, parce que les panneaux, ça dure quoi, 25 ans, puis après c'est cuit. Hein. Oui et non, ça dure 25 ans, et après 25 ans, ils perdent en capacité, oui. Mais certains panneaux peuvent durer jusqu'à 50 ans. C'est juste qu'au bout de 50 ans, ils n'auront plus que 30% de la capacité productive, oui, qu'ils avaient 25 ans auparavant. Mais 30% de 7 ou 8 panneaux, ça fait quand même un petit peu d'électricité. Oui, mais c'est comme les centrales nucléaires. Dans l'électricité, il faut voir tout l'aval et tout l'amont. Il faut aller au tout début de la création du courant électrique, c'est-à-dire de l'électron qui change d'orbite, et après, il faut voir l'aval jusqu'aux machines électriques, quoi. Et donc, il faut le transformer en général en courant alternatif, parce qu'il n'y a pas beaucoup. On peut faire du courant continu, mais enfin, ce qui s'est développé, ça c'était la bagarre entre Edison et Tesla, c'est la bagarre entre le courant alternatif et le courant continu. C'est Edison qui a gagné avec le courant alternatif, c'est comme ça. Eh bien, il faut voir, si vous voulez avoir du courant alternatif, il faut un onduleur. Donc là, un onduleur, c'est de la belle électronique aussi, hein, et l'onduleur, faut que, ah ben, si, c'est de l'électronique extrêmement fine. Et puis, il faut avoir sans doute quelques batteries. Et les batteries, même lithium, ion, ou tout ce que vous voulez, ça ne dure pas non plus forcément 25 ans. Hein. C'est des cycles de charge et de décharge, etc. Bon, donc, moi, je ne crois pas beaucoup au photovoltaïque, bien que j'en ai installé dans cette maison. Hein. Et donc, je ne crois pas qu'en 2050, il y aura massivement de l'électricité photovoltaïque. Il y en aura un petit peu, mais pas beaucoup. Laissons tomber le photovoltaïque. Vous ne croyez pas non plus à l'éolien? Non, parce que l'éolien, c'est pareil. Si on va avoir une éolienne moderne, alors maintenant, c'est la course, comme d'habitude, au gigantisme. Ouais, maintenant, j'ai un mât près de chez moi, il fait 5 mégawatts. Alors, nous, on a des mâts qui font 10 mégawatts. C'est-à-dire, c'est la course au gigantisme. Au gigantisme, il faut donc avoir des pales extrêmement, extrêmement surfaciques. Et puis, d'autre part, il faut avoir évidemment un matériel très performant, avec là aussi des rotors, des stators et des aimants permanents qui soient très performants, donc avec du néodyme. Le néodyme, c'est une terre rare. Pour le moment, le seul producteur mondial de néodyme, c'est la Chine. Donc, c'est vraiment une éolienne, même en campagne, comme on voit ici, hein, il y en a, bien sûr, par ici aussi. C'est typiquement un outil mondialisé, comme votre smartphone, comme votre caméra. C'est un outil qui a fallu une dizaine de pays différents et une vingtaine de pays, là où c'est assemblé, par des esclaves thaïlandaises quelque part. Voilà, c'est comme ça, c'est des outils extrêmement mondialisés. Je ne crois pas à la mondialisation, il n'y aura pas de mondialisation en 2050, ça sera local, je ne cesse de dire, la vie sera essentiellement locale. Comment vous pouvez avoir de l'électricité ou une éolienne quand vous allez réparer
une fois que votre moteur électrique, enfin votre rotor oscillateur sera un peu pété, parce que ça ne dure pas quand même une éolienne, tout ce qui bouge, hein, ça suit. Le photovoltaïque, encore, ça ne bouge pas. C'est statique, vous mettez ça, hop, il y a le courant qui vient, la photon, pouf, électricité. Mais tout ce qui bouge, c'est ça. Vous connaissez le vent ? Le vent, c'est un phénomène très, très irrégulier. Ça ne cesse de taper dessus. Ça tape. On va changer le rotor, changer évidemment les pales. Et les pales, c'est extrêmement high-tech aussi. Hein. C'est des résines, etc. Qu'est-ce qu'il va faire de la résine ? Sur les pales, je connais des gens qui ont fabriqué de A à Z une éolienne à partir de boîtes de conserve qu'ils ont récupéré des boîtes de conserve en aluminium. Ils ont fondu leurs boîtes. Ils ont moulé dans. Il faut un peu de talent en travail parce qu'il faut construire le moule de l'éolienne en bois. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Ça prend beaucoup de temps. Mais quelqu'un qui a plus que ce moyen-là de produire de l'électricité et qui est prêt à passer un mois à bosser dessus, s'il a les connaissances, je pense que c'est faisable. Oui, mais il pourrait y avoir quelques éoliennes bricolées par quelques ingénieurs locaux, je veux bien le croire, mais ça ne sera pas massif. Tout ça, ce qui est anecdotique ne m'intéresse pas du tout. Hein. Il y aura encore quelques panneaux photovoltaïques ici ou là, ou quelques éoliennes dans quelques campagnes en Franche-Comté, en Bretagne. C'est possible, peut-être. Oui, des choses à large échelle. Ah, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les milliards de personnes et c'est la Terre entière. Le fait qu'il y a encore un petit peu d'électricité quelque part, parce qu'un gaz supprimé. Mais bien sûr, il suffit, vous prenez un fil de cuivre, il y a encore plein de fils de cuivre, qu'on récupérera d'ailleurs de tous les postes électriques d'EDF, là, comme ça. Il n'y aura plus d'EDF, il n'y aura plus de réseau électrique. Donc vous pouvez récupérer le fil de cuivre, puis faire un bobinage autour d'un cylindre, et puis faire tourner un aimant autour, et un aimant, on en trouve, en effet. Mais votre éolienne, elle va faire quoi ? Même pas un kilowatt de puissance. Vous allez ouvrir un kilowatt, ça veut dire que vous allez ouvrir peut-être deux ampoules et puis de temps en temps un grille-pain. C'est tout, quoi. Donc tout ça est ridicule. Enfin, c'est anecdotique. Je dis pas que c'est ridicule. Je dis que c'est anecdotique. C'est pas ça qui va sauver le monde du tout. Mais il n'y aura pas. Quand on regarde pendant l'île de France, avec 12 millions d'habitants, c'est pas avec vos éoliennes bricolées que vous allez faire tourner les RER et les trains électriques de l'île de France. Pas du tout, ça ne marchera pas. Il faut bien voir, il y a des questions numériques là aussi. Moi, je crois qu'il faut, d'une certaine manière, quantifier sa pensée, sinon on est dans le pur qualitatif. Oui, on peut. Moi, j'en ai fabriqué des éoliennes tout seul. C'était en 75 avec une association qui s'appelait Alternative et Technologie. Ils avaient des camps, c'était pour les babacools dans les années 75. C'était en Auvergne, justement, on a fabriqué des éoliennes. Avec un fil de cuivre, on fait le bobinage, on fait le rotor, etc. Puis vous avez du courant. Mais ça fait quoi, ça 500 watts. Puis, bon, c'est anecdotique. Je vais changer ici. Sinon, il faudrait, ben, pour. Supposons qu'il y ait 20 millions d'habitants en France en 2050, puisque la moitié des gens vont mourir, même un peu plus, ben, il faudrait peut-être 10 millions d'éoliennes. Ouais. Bon, ben, 10 millions, il n'y aura pas 10 millions d'éoliennes en 2050, notamment des grands bâts. Ça, certainement pas. Ah oui, buvons un coup, tiens. Vous avez raison. Alors ça va, ça fonctionne toujours bien. Ça fonctionne, c'est toujours rouge. Merci, madame. Voilà. On va continuer sur l'énergie. Oui, je vous en prie. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, pareil, ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai travaillé sur l'île d'Opale. Je ne pense pas du tout que ce soit parce qu'on a construit déplacer des statues, qu'on a coupé toutes les forêts. Ah. Je pense qu'on est arrivé, ils y sont, enfin je pense, les archéologues pensent. Sauf Tayamal, il pense que c'est parce que les gars ont coupé. Certes, mais il n'est pas l'archéologue, il n'est pas... Mais il est géographe. Il est géographe. L'une des hypothèses les plus solides, c'est que il y a eu un. Alors, on en revient toujours à la même chose, hein, c'est-à-dire que la population est montée à un niveau trop élevé et qu'ils avaient besoin du bois pour faire fonctionner le modèle social qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin du bois pour construire leurs habitations, pour tout. L'empreinte écologique est trop grande pour l'île. Exactement. Comme l'île de France, l'île de Pâques. Si on a plus. Ah ben voilà un chat là. Et il demande à rentrer, on va quand même lui ouvrir. On n'est pas cruel envers les animaux. Si. Oui, tu peux rentrer. Non, ils sont pas méchants. Ah ah. Il vous connaît pas, mais bon, ça va. Il est timide. Il est timide. C'est bon. T'inquiète pas. Il va aller bouffer ses granulés. Là. Si on n'a plus d'énergie, si on n'a plus de source d'énergie électrique. Électrique, oui.
les gens vont se tourner vers le bois, et on a des limites. Le bois, il y a une limite en bois. Est-ce que... Même que sur les deux pas. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce qu'on peut... Alors, je ne pense pas qu'on en arrive à une situation caricaturale où il y a un type qui coupera le dernier arbre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque réel qu'on épuise les forêts? Si. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Y a la forêt européenne et française augmente depuis 50 ans. Elle augmente en surface. Elles sont très bien, les forêts, pour le moment. Enfin, l'ONF a une politique quand même, disons, utilitariste de la forêt. Hein. Ils ne voient pas la forêt comme un être, disons, un être écologique. Alors qu'une forêt, c'est une forêt. Hein. En tant que forêt, il y a quelque chose, pas simplement une collection d'arbres qu'on peut couper. Hein. C'est de la monoculture. Et voilà, ils font des... Bon. Mais ceci étant dit, vous avez vu le chêne qui est là. C'est un lion. Hein. Ce n'est pas simplement un chêne comme ça. Il gouverne toute la forêt à 200 mètres, parce qu'il est, le roi, lui. D'accord. Alors, oui, il y a un risque. Si jamais on était autant en Europe, par exemple, 500 millions, alors on serait peut-être 600 millions en 2050, la forêt serait un risque, si la seule bonne énergie renouvelable serait le bois. Car d'ailleurs, c'est même plus ou moins marqué dans le scénario, c'est le bois qui me semble être la principale source d'énergie pour faire aussi bien de la chaleur que éventuellement un peu de forge élémentaire. Hein, parce qu'à ce moment-là, il faut faire du charbon de bois, parce que le bois tout seul, comme ça, c'est quelques centaines de degrés. Si vous voulez faire fondre de l'aluminium pour faire de l'éolienne. Là, il faut 800 degrés, ouais. Et il faut du charbon de bois. C'est facile de faire du charbon de bois. C'est facile et dangereux. Non, il faut le faire. Et donc, le bois, oui, est à risque, lui aussi. Bien sûr, il pourrait y avoir. Mais si on est 200 millions en Europe plutôt que 500 millions, on aura peut-être du bois. D'accord. On va attaquer la troisième partie. Donc, après l'effondrement. Alors là... La troisième partie, vous parlez beaucoup de sécurité, donc on va en parler. Vous dites, page 153, ici nous ne partageons pas entièrement l'avis de nos amis collapsologues Pablo Servigne, Raphaël Steven et Gauthier Chapelle. Je vais pas vous poser une question, je vais vous laisser librement, comme ça vous direz, vous formulerez les choses avec vos mots. Pablo Servigne, je vous en ai déjà parlé, c'est l'auteur de L'Entraide, entre autres L'Entraide, l'autre loi de la jungle. Vous avez des petites différences avec lui. Est-ce que vous pouvez me dire un mot là-dessus? Alors il est vrai que quand on observe, je dis ça très globalement, et donc ça peut être un peu général. Mais quand on observe le règne animal et le règne végétal et les humains, il y a autant de compétition entre les êtres qu'il y a d'entraide. Bon, ça dépend des circonstances, des lieux, ça dépend de mille facteurs. Donc il n'y a pas simplement que de la compétition ou bien que de l'entraide. Mais nos trois amis disent, même s'il y a effondrement, il y aura de l'entraide entre les humains comme on le voit dans certaines circonstances. Alors ceci est vrai jusqu'à un certain point, mais un point qui me paraît moindre que le point principal, qui est plutôt la compétition et la lutte pour la vie. Et donc, moi, je crois beaucoup plus que, au début, qu'il y a des petits effondrements, on fait appel à ses voisins, on fait appel à ses amis, et même ce qu'on appelle quelquefois l'aide internationale, par exemple. Vous avez un typhon, alors, au Texas, typiquement la Nouvelle-Orléans, bon, il y a un tsunami, et puis il y a un typhon qui arrive, ils appellent ça des hurricanes là-bas, hein, aux États-Unis, et bien la Nouvelle-Orléans, alors c'est l'aide internationale, c'est la même chose à Haïti, lorsqu'il y a des typhons à Haïti, c'est l'aide internationale, ou même l'aide locale. Ça dure un certain temps, ça dure quelques semaines au plus. D'une part, dans l'effondrement, c'est là qu'il faut changer totalement sa vision, mais très difficile. L'effondrement est en général et quasi simultané à quelques années près, il n'y aura pas d'aide internationale. S'il y a un effondrement en Bretagne, par exemple, dans la Bretagne, une grande région, il y a 3 millions d'habitants, il ne faudra pas compter sur Paris ou sur l'Europe pour vous aider, puisque les autres sont effondrés aussi. D'autre part, ça marche les premières semaines, mais après, c'est quand même la lutte pour la survie.
car s'il y a un vrai effondrement, comme on le dit, on manque d'eau potable, on manque d'aménités naturelles, l'alimentation, l'énergie, eh bien, l'entraide va être au début, parce que les gens vont se dire, mon Dieu, c'est affreux, on essaie de s'entraider, puis après, ça va être la lutte pour la vie, sinon je crève. Encore une fois, au début, ils ont raison pour le début. Quand c'est tout le début de l'effondrement, les quelques semaines, voire les quelques mois, puis il y a de l'entraide locale, pour des gens qui ne sont pas habitués à s'entraider, qui ne se connaissent pas. Mais après, quand il s'agit, à l'échelon de la France, à l'échelon même de la Bretagne, donc, si vous n'avez pas été, encore une fois, dans une démarche d'entraide, encore une fois, s'entraider ou s'entretuer localement, eh bien les gens ne vont pas s'entraider. Et ils vont s'entretuer pour avoir des habiletés de base pour survivre. Et dans ce cas-là, je n'y crois pas à leur entraide. Alors, ils ont des tas d'exemples. Bon, mais je pense que ce qu'on a vu pendant les guerres et les malheurs, parce que je sais s'il y en a eu, évidemment. Oui, bon, d'accord, tu veux sortir, lui. Parce qu'il n'aime pas, il n'est pas très casanier. Il aime bien venir ici pour bouffer, sinon c'est la nature qu'il aime. Hein. Il aime la nature. Voilà. Bien. Donc, j'ai une différence, en effet, avec Pablo, que j'adore, hein, j'adore Pablo et tous ces gens-là, bien entendu, c'est un copain. Mais je pense que ça sera plus affreux que solidaire, si ça n'est pas préparé avant. Or, ça ne sera pas préparé avant. Personne ne s'attend à l'effondrement, à part, on dit, un pour mille de la population. C'est dérisoire. Hein. Les effondristes et collapsologues comme moi, ou Pablo, on n'aura joué pratiquement aucun rôle, si je dis parfois, si on peut, mon opinion et c'est-à-dire mon ambition politique est extrêmement modeste, c'est sauver ceux qui peuvent l'être. À la fois ceux, CEUX, et ceux, CE, ceux qui peuvent l'être. Sauver quelques personnes, parce que j'aurais tenu des discours, disons, d'entraide locale, de résilience, de biorégion, de biotope, de guérison sociale. Donc si je peux sauver 3 ou 4 personnes parce que j'aurais écrit ce livre, je serais content. Mais l'effondrement va arriver, et là, c'est pas par quelques personnes. Fait malheureusement des centaines de millions. C'est affreux. C'est absolument affreux, l'effondrement. Ça sera de très loin la plus grande atrocité qu'on aura vécue dans l'histoire humaine. S'il y a des survivants. Bien, c'est heureux. Alors, continuons. J'ai vu que vous aviez vu, parce que vous en parlez, le film de Michael Haneke, oui. Le Temps des Loups. Le Temps du Loup. Très beau livre, très beau film. Et il y a une citation de vous que je vais mettre en parallèle avec la première scène de ce film. Vous dites « Si je veux la paix, je ne prépare pas la guerre. J'essaie par mes discours et mes comportements de convaincre les autres que ma manière d'être, bien que différente de la leur, est une configuration viable entre nous. S'il y a malgré tout conflit violent, c'est que je me suis trompé à leur sujet ou qu'ils se sont trompés au mien. » Moi, je pense à la première... Probablement parce que vous en parliez de ce film, quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé à la première scène lorsque la famille arrive dans sa maison de campagne et qu'il y a des intrus qui sont dans la maison et pas forcément des gens méchants, hein, parce qu'on a l'impression que c'est un père de famille avec sa femme et son bébé... Et il prend un fusil et il le pointe sur le papa. Et il le tue à la fin. Il le tue, mais avant qu'il tire, le papa essaye de dialoguer, de dire mais on n'est pas obligé de résoudre ça par le conflit. On peut essayer de trouver une solution où chacun s'en tirera. Moi, je mets les deux en parallèle et je me dis il y a est-ce que c'est pas une grande foi en la nature humaine que vous avez lorsque vous dites ça vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Je reprends cette scène dans une situation comme ça. Si, alors c'est peut-être caricatural ce que je vais dire, mais si le papa était lui-même arrivé avec un fusil, peut-être qu'aucun ne serait mort. Parce que, enfin, c'est peut-être bête ou violent, mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je ne sais pas, dans ce genre de situation. C'est des situations justement à catastrophe, c'est-à-dire ça peut tomber d'un côté ou de l'autre. Ça peut être de l'entraide, et finalement les deux familles vont dire « écoutez, il se passe quelque chose, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais enfin en gros c'est un effondrement, oui. Et donc ils cherchent de la nourriture, ils cherchent de l'eau, etc. » Donc vous voyez, c'est des trucs de base, et tout le monde leur ferme la porte, enfin surtout après, quand elle a perdu son mari, puis qu'elle va frapper aux portes, que personne ne veut ouvrir, bon bref. Donc ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Alors là, c'est des phénomènes justement qu'on peut...
qu'on peut formaliser soit en permaculture avec l'histoire des zones, disons, de sensibilité. La zone 0, ça a moins de 10 cm de moi. La zone 1, c'est ici, là, c'est mon chez-moi, etc. Enfin, bon. Soit alors avec la formalisation, d'ailleurs, bon, j'utilise un des formalismes, là, le formalisme de la fronce, qui est une des 7 catastrophes élémentaires qui a été étudiée par le mathématicien René Thom, qui lui aussi a eu la médaille Fields comme Frédéric Villani. C'est les patients qui viennent pour l'ostéopathie. Donc ça peut basculer et ça tient à une petite fluctuation. C'est justement ce qu'on appelle un phénomène non linéaire. Alors ça, c'est très très important. D'ailleurs, dès le tout début, j'essaie de dire que la différence entre la manière dont je vois l'évolution du monde dans les 30 ans qui viennent et dont les gens voient en général l'évolution du monde, les productivistes, c'est qu'ils voient de manière linéaire avec, en effet, un progrès. On peut dire un progrès incrémental, c'est-à-dire petit à petit, avec des petits pas, on va y arriver, ça va se résoudre petit à petit, même les problèmes écologiques, il y a des problèmes écologiques, ils le reconnaissent, il y a des problèmes de différence sociale, il y a des pauvres, des riches, mais avec le progrès, alors le progrès tient en trois mots pour ces gens-là, hein. Ces gens-là c'est 99,9% de la population, on sait, plus de croissance, plus de technologie, plus de marché, et donc on va continuer à essayer d'avoir plus de croissance de technologie et de marché, et on va résoudre les quelques problèmes écolos, de la biosphère, des pollutions, du climat, etc. Tout ça est complètement faux, et donc, on peut mesurer ça en disant que non, les choses ne sont pas linéaires, et donc à la scène avec laquelle ça peut basculer soit par une entraide et une connivence locale, soit au contraire, par ils se tirent dessus immédiatement. On voit ça évidemment dans les westerns, c'est bien connu, on le voit dans beaucoup de scènes, mais de scènes de la vie quotidienne, mais c'est très très commun, très très commun ça. Le fait que le fait de passer aux extrêmes tient à presque rien. Souvent, c'est une petite fluctuation, ce qu'on appelle une petite fluctuation. C'est ce qu'on appelle parfois en physique l'effet papillon. C'est-à-dire le battement d'aile d'un papillon en Amazonie vous crée une tornade au Texas. Donc, petite cause, effet énorme. Ce n'est pas du tout linéaire. Dans l'ordinaire, on dit que les choses sont proportionnelles. Vous avez une petite cause, ça produit des petits effets. Une grande cause, des grands effets. Eh bien non, moi je pense que l'histoire, c'est justement essentiellement l'histoire de phénomènes non linéaires, alors que beaucoup de gens, y compris les historiens, pensent que c'est des phénomènes linéaires, qu'il y a des progrès, il y a des progrès technologiques, il y a même des progrès, paraît-il, dans la civilisation. Ben, Freud a écrit un livre là-dessus en disant que c'est pas sûr du tout, hein. Pas sûr du tout, du tout. D'autant plus qu'il y a évidemment ce qu'on appelle les blessures narcissiques, qu'on a appris à force de se cultiver, et les blessures narcissiques montrent qu'on n'est pas du tout le centre du monde, on est presque rien, on est une petite boule de terre, et si on dit que, oui, mais regardez la civilisation occidentale, disons, on regarde en gros quelques milliards de personnes sur 70 ans, c'est-à-dire entre 1950 et 2020. Tout ça, c'est dérisoire par rapport à l'histoire, ce qu'on appelle de l'anthropocène, c'est quelques milliards de personnes sur 70 ans. Et on croit que ça va durer toujours comme ça. Que ça sera de mieux en mieux, qu'il y aura la paix universelle, que les gens, on a bien vu quand même pendant. Ça, c'est pour ça que j'accuse les gens, que je suis extrêmement et profondément anti-nucléaire. C'est pas simplement parce qu'il y a des matières radioactives et que ça fait des leucémies à Tchernobyl, à Fukushima et tout ça. C'est pas uniquement ça. J'ai toujours fait des manifs anti-nucléaires. C'est parce que c'est une erreur anthropologique de la part des gens d'EDF et de la part des gens, des ingénieurs des mines. Enfin, qui sortent de Polytechnique, qui sont là, on est la crème, et on est les meilleurs ingénieurs du monde, ils s'y croient, et ils font une erreur anthropologique manifeste, parce qu'ils créent quelque chose qui va durer des dizaines, voire des centaines de milliers d'années, les déchets nucléaires à haute activité. Comment peut-on parier que l'humanité ne va pas se faire la guerre pendant 100 000 ans? Mais c'est totalement ridicule. Toute l'histoire humaine, y compris celle du XXe siècle, qui a été d'une cruauté sans nom, c'était même l'histoire la plus cruelle. Et il dit, ben non, on va quand même construire des centrales nucléaires qui ont été construites après la Deuxième Guerre mondiale. On en a maintenant 450 réacteurs. Et si jamais il y a des guerres, même non nucléaires, hein, mais qui est-ce qui va s'occuper des réacteurs? Ils vont être laissés comme ça? Sans aller jusque-là, s'il y avait eu des centrales nucléaires quand Hitler nous en a envahi, c'est les premiers sites qui l'auraient frappé. Ça aurait été désastreux. Bien entendu. Donc, il faut être anthropologiquement ignorant et stupide pour penser que le nucléaire, c'est bien d'une manière ou d'une autre. Je vois mon ami Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez aussi, il est pro-nucléaire. Il dit, oui, mais le nucléaire, quand même, c'est bien parce qu'on n'aura pas assez d'énergie avec les renouvelables. C'est vrai,
Avec les renouvelables, on aura 20 fois moins d'énergie que on a avec le nucléaire ou le charbon ou le pétrole, bien entendu. Et bien, on aura 20 fois moins d'énergie, ce sera comme ça. Le fait qu'on a actuellement une espèce d'acmé de l'industrialisme avec une profusion énergétique considérable, avec, une pornographie énergétique, mais c'est encore une fois, c'est pour quelques milliards de personnes pendant 50 ans. Tout ça est petit au point de vue de l'histoire géologique de l'humanité, c'est rien. Ça aura duré, ça aura été une petite bulle comme ça, et ça va exploser. Ça va exploser dans 10 ans ou 15 ans. Il n'y aura plus. Alors, toujours, je reste toujours sur la sécurité. Mais parce que qu'en définitive, et c'est pour ça que vous parliez du rôle de l'État avant, dans tout ce que vous avez décrit comme choses pour lesquelles l'État était importante, moi, le truc le plus important pour moi, c'est pas l'eau, c'est pas la nourriture, c'est la sécurité. C'est la sécurité, c'est le régalien pur, voilà. La vie et la mort. C'est ça l'État, c'est la vie et la mort. Vous, ce que vous, vous proposez une idée qui est celle du policier tour à tour. Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus? Alors, on l'a pas abordé, mais parce que c'est beaucoup trop long et puis c'est un petit peu, c'est pas connu. Mais il y a un phénomène de comportement à la fois évolutionnaire et cognitif des humains qui s'appelle l'interaction spéculaire. On n'a pas prononcé ce mot, et bon, il faut quand même l'expliquer longuement avant de voir comment ça tourne et comment ça marche. Lorsque des gens ont une sorte de monopole professionnel de la sécurité, notamment les gendarmes, les policiers et les militaires, eh bien, bien souvent, lorsque ça va mal, j'insiste sur lorsque ça va mal, c'est eux qui ont le pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir de la violence physique. Alors là, elle devient illégitime et même légitime quand tout va bien, et illégitime parce que c'est eux qui ont les armes, tout simplement. Et les armes qui tuent. Pas les arcs et les flèches ou les cailloux. Bon. Et donc, mon idée, c'est que un éco-village, un biotope de guérison sociale, une biorégion résiliente, je prends ces mots-là de manière équivalente, sera fondée si tous les gens sont dans la même position vis-à-vis de la sécurité de tous. Je parle de la sécurité intérieure, parce que bien entendu, dans ces éco-villages, ces biotopes de guérison et ces biorégions résilientes, il y aura autant de crimes, de jalousie, de passion et de haine. Hein. Il ne s'agit pas de dire « ça sera un homme nouveau, les gens seront des bisounours ». C'est ça que je regrette un petit peu, parfois chez Pablo, ou même dans le film « Demain » que vous avez certainement vu. Hein. Bon, on va s'aimer les uns les autres, tout sera bien. Non, il y aura autant de passion, comme dirait Spinoza, de passion négative, c'est-à-dire y compris des crimes et des assassinats. Et donc, il faut confiner la violence. C'est un phénomène fondamental, c'est même pour ça qu'on a créé les États, c'est qu'on confine la violence, il y a tout un passage là-dessus, en évitant la violence privée, en disant c'est pas moi qui vais me venger, c'est qu'on confie à l'État la violence unique. Il n'y a que lui qui a le droit d'être violent. Et donc si l'État s'effondre, il faut que le petit État local de la biorégion, à 50 personnes comme à 500 000 ou 5 millions, eh bien, puisse avoir ceci, mais que cette violence légitime, ne soit pas le fait de professionnels. Car quand ça va mal, les professionnels exagèrent et prennent le pouvoir. Ben, c'est les dictatures militaires. La moitié, d'une certaine manière, des pays du monde, des 200 pays du monde, sont des dictatures militaires. Pas compliqué, hein. Et les mecs, ils ont les armes, donc ils prennent le pouvoir. Non, il faut que chacun soit placé dans la même position vis-à-vis des armes, vis-à-vis de la violence qui tue, et donc qu'on soit militaire, ou surtout là, par des flics et des gendarmes, tour à tour. Vous faites 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis après ça tourne. Et donc, ça n'est plus vous qui avez les armes. C'est ceux qui ont tourné. Ceux qui n'avaient pas les armes avant, les citoyens, ils les ont désormais. Et donc, si vous les avez exploitées, si vous avez tenu compte de votre position privilégiée d'homme armé avant, eh bien, il y aura une vengeance. Or, alors ça, c'est assez bien expliqué par la théorie que j'appelle de l'interaction spéculaire. Dans ce cas-là, on fait un calcul spéculaire en disant « Je n'ai pas intérêt à gagner contre quelqu'un » Quand je suis armé moi-même, quand je suis policier ou gendarme, je n'ai pas intérêt à contraindre des gens maintenant, alors que dans 3 ans, ils vont être à ma place et moi, je serai désarmé. Et donc, il vaut mieux avoir des policiers, en effet, un peu comme il y a le service militaire, eh bien, avec des appelés, eh bien, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans,
On est, alors avec peut-être un noyau de petits professionnels pour l'apprentissage des uns et des autres, mais massivement, un peu comme en Suisse, la population, la Suisse n'a pas une immense armée comme un peuple. Mmh. Oui, je donne des exemples, oui, existe, oui. Déjà, une immense armée, mmh. Mais les gens ont des services armés avec des armes chez eux. Mmh. Justement, et c'est ça qui est intéressant. Ah, je suis d'accord, l'exemple suisse pour moi est l'un des meilleurs. Oui. Mais être. C'est pour ça que je voulais vraiment entendre la manière dont vous allez développer ça. Il y a deux façons de voir les choses. On considère qu'effectivement, le monopole de la violence légitime doit rester à l'État, ce qui est l'idée de l'exercice de la violence. Mais vous parlez des armes, c'est-à-dire pas seulement l'exercice de la violence, c'est la possession des armes. Or, c'est pas la situation suisse. Ah oui, parce que, Les Suisses ont tous des armes. Oui, ils ont tous des armes. Mais il y en a que certains, à certains moments, qui les utilisent. C'est ça, c'est ça. Ce qui est pas exactement le même modèle, on est d'accord. Non, c'est un autre modèle. Ça peut-être que dans certaines biorégions, en 2050, ouais. S'il y a des biorégions, peut-être que ce sera le modèle suisse qui sera utilisé. Parce que de toute façon, il y aura peut-être 100 000 biorégions dans le monde, et bien il y aura 100 000 formes institutionnelles différentes. Et donc pour la violence, pour contenir la violence, ce sera peut-être le modèle suisse, ce sera peut-être mon modèle, ce sera peut-être un autre modèle. Ce sera peut-être le modèle féodal, par exemple. Le modèle féodal est très intéressant parce que les armes sont uniquement par les seigneurs et les chevaliers, et puis les autres travaillent pour eux. Eux les défendent, c'est eux qui assurent la sécurité. Puis les autres, ils font de l'agriculture, ils font du tissage, ils font de la métallurgie, voilà. Comme dans Game of Thrones. Parce que la rotation de l'exercice de la violence, quand tout le monde est armé, j'y crois. Oui. Mais lorsqu'il y a uniquement des personnes qui ont des armes et que les autres sont désarmés, il faut qu'on ait une extrême confiance en oui, eux pour qu'ils ne gardent pas les armes et qu'ils ne gardent pas le pouvoir au-delà du mandat qu'on leur a confié. C'est vrai. Les Suisses sont à l'abri de ça. Oui. Mais si on fait tourner l'exercice du pouvoir. Pas de problème, si on fait tourner les armes, qu'on désarme une partie de la population et puis qu'on dit ce groupe-là va avoir des armes pendant 3 ou 4 ans, il faut vraiment avoir confiance en eux pour être sûr que 3 ou 4 ans plus tard, ils vont les rendre. C'est une question de culture initiale. C'est-à-dire, on voit bien que les tas de choses qu'on appelle, disons, la dépendance au chemin. C'est des trucs qu'on utilise quelquefois en économie, par exemple la dépendance au chemin. Vous savez, c'est l'histoire du clavier. Le clavier a été fait de telle manière que les balais ne se croisent pas quand on tape très vite. Du temps où il y avait des balais sur les machines à écrire mécaniques, tac, 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 comme ça. Mais maintenant, ça n'a plus de justification de faire des claviers qu'on appelle AZERTY ou QWERTY. Bon, eh bien, on n'a pas changé du tout le clavier, alors que ça n'est pas optimal du tout, de taper comme ça, c'est pas optimal. C'est fait pour des raisons mécaniques. Et bien, on n'a pas changé parce que là, on a la dépendance au chemin. Donc, une fois qu'il y a quelque chose qui se met en place, c'est très difficile. Ça, c'est une anecdote pour le quartier. Là, c'est pareil. Si jamais un éco-village dit, nous, on essaie de faire comme ça, et que ça marche pendant les premières décennies, peut-être ça marchera plusieurs siècles. Peut-être. D'accord. Et peut-être ça sera la suite. Peut-être le féodalisme. Peut-être la théocratie. Il y aura 1000 expériences différentes. 1000. Écoutez, ce dont vous êtes en train de parler rejoint la dernière partie du livre, oui. Qui est sur le déni de l'effondrement. Parce que c'est un peu ce que vous êtes en train de dire, et c'est sur ça que c'est intéressant de conclure. Oui. C'est difficile de faire passer l'idée que... moi, j'appelle ça le ressenti de l'éternel présent. C'est-à-dire que les gens pensent que le présent est éternel et c'est quelque chose qu'ils ressentent. Ils n'analysent pas. Si on analyse matériellement les choses, il est évident que le présent ne va pas être éternel. Mais il y a un ressenti, et puis ça rejoint l'idée du progrès. On va forcément vers du mieux, il y a un éternel progrès. Après avoir écrit votre livre, j'imagine que vous avez parlé avec plein de gens qui sont dans le déni de ce qui est en train de se passer. Il n'y a que ça. Tous les gens qu'on rencontre, même mes voisins avec lesquels j'essaie de faire de l'entraide, et mon éco-village, là, ils disent non, ça va plus mal, c'est vrai, il y a des problèmes écologiques, c'est sûr. Hein, mais non, on va s'en tirer. Non, on ne va pas s'en tirer. Le déni est généralisé, et c'est d'ailleurs absolument normal, c'est le réflexe, même le réflexe le plus intelligent qu'on a face à ce que je dis, face à l'effondrement et aux milliards de morts dont je parle, les gens disent, c'est impossible, ça ne peut pas arriver. Donc c'est le déni qui est le réflexe le plus... Pour se défendre de penser à des choses aussi horribles, eh bien le réflexe normal de toute la population, c'est de dire, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, c'est impossible. Et c'est pour ça que ça va arriver d'ailleurs. Alors là, c'est un petit calcul
Un peu comme Jean-Pierre Dupuis avec son catastrophisme éclairé, sauf que lui, il pense, il dit, quand on va penser à la catastrophe, tout le monde va y penser et donc on va l'éviter. Et moi, je dis, mais non, ça c'est un paradoxe à la Dupuis, j'adore Jean-Pierre Dupuis, hein, c'est un copain, mais ce qu'il aime, lui, c'est les paradoxes. Moi, ce que j'aime, c'est la réalité. Et ce que disait Jacques Lacan, c'est que, qu'est-ce que c'est que le réel? Vous connaissez Jacques Lacan? Il disait, qu'est-ce que c'est que le réel, maître? Le réel, c'est quand on en prend plein la gueule. Et c'est ça que ne comprend pas Macron ou n'importe qui, ou Madame Merkel ou Monsieur Trump, c'est qu'ils ne souffrent pas, eux. Ils ne souffrent pas. Tant qu'on ne souffre pas dans sa chair, tant qu'on n'a pas ses enfants qui sont tués, et tant que soi-même on n'est pas malade de la famine ou de... Eh bien, on ne changera pas d'idée, c'est que plus de croissance, plus de technologie, plus de marché vont résoudre les problèmes. Et comme évidemment, ça n'arrivera qu'au moment où il y aura l'effondrement, il sera trop tard, c'est trop tard. Et donc c'est inéluctable, parce qu'il y a un déni qui est dû là aussi, essentiellement, le déni tient, bien sûr, sur l'aveuglement vis-à-vis des phénomènes naturels qui se passent, le changement climatique, la perte de biodiversité, la hausse des océans, l'acidification, le fond des glaciers, enfin tous les trucs, hein, bien sûr. Mais en général, c'est ce que disent même les gens du GIEC, on n'est pas à la mesure du problème. C'est-à-dire, moi, je me souviens que j'ai fait campagne avec René Dumont, vous n'étiez pas né ni l'un ni l'autre, là, les années 70. En 74, ouais. Avec René Dumont dans le livre. J'ai toujours pas là ce livre. Mais d'ailleurs, vous le citez. Parce qu'en 74, on disait, parmi toutes les choses, dans le livre programme de René Dumont, on avait fait un programme, comme il y avait le programme commun de gouvernement. L'écologie ou la mort, je crois. L'écologie ou la mort, c'est ça. On le trouve encore. Ah, il est difficile à trouver, même sur eBay ou sur Le Bon Coin, on ne le retrouve plus. Hein. Mais c'est marqué dès les premières pages, il faut qu'on change complètement notre modèle de développement, qu'on peut appeler le modèle productiviste, le modèle qui n'est pas le modèle, justement, augustinien, comme il disait comme ça, le modèle de la décroissance, cette fois-ci. Eh bien, sinon, et il est possible qu'on ne passera pas le siècle prochain, il l'avait marqué. Donc c'est ça, l'écologie ou la mort. Comme on n'a pas choisi l'écologie, parce qu'en gros, les écolos dont je suis, hein, depuis 1974, même un peu avant, on a tout perdu. On a gagné bon, Notre-Dame-des-Landes, et puis on n'a pas construit Plogoff en 1980. Tout ça, encore une fois, c'est dérisoire, c'est presque rien. C'est dommage, parce que j'adore les gens de Notre-Dame-des-Landes, puis c'est bien, c'est un très beau... On n'a pas construit non plus Europa City, là. On a gagné ça la semaine dernière. Encore qu'il faut voir, c'est pas fini ce qui va se faire à Algonel. Mais tout ça, c'est des petites anecdotes. C'est un peu comme les éoliennes dont on parlait. Par rapport à 7 milliards et demi de personnes, c'est rien. Ce qui compte, c'est les masses. Moi, je suis d'accord avec Marx, il disait, c'est les masses qui font l'histoire. C'est les masses qui font l'histoire. C'est pas les anecdotes et les héros. Or, les héros, il y en a, ou les saints, comme Pablo Servigne, c'est un saint. Mais c'est pas eux qui... Les saints, ils sont tués. Ils sont même parmi les premiers. Bon, et donc de quoi on parlait on était sur le déni de l'effondrement. Ah, le déni, c'est tout à alors, fait. Alors, le déni ouais. est dû à deux phénomènes qui relèvent de la psychologie cognitive pour l'un, la psychologie sociale si on veut, et l'autre de la psychologie évolutionnaire. Et c'est, bon, alors, je vais en parler rapidement et donc à la limite de mon intégrité intellectuelle parce qu'il faut en parler longuement pour comprendre. Ouais, on va développer pour être précis. Oui. C'est marqué d'ailleurs, là il y a quand même quelques dizaines de pages là-dessus. Enfin, en gros, ça dit les prégnances humaines sont très très nombreuses. Mais il y a encore les trois fondamentales de prégnance que nous partageons avec les animaux comme ce chat, qui sont les prégnances qui ont été forgées par l'évolution simplement des espèces au sens de Darwin. Les trois grandes prégnances, c'est la libido, la faim et la peur. Et ce en quoi les animaux vivent, et ils vivent avec pas mal de réflexes, c'est qu'ils ont faim, la preuve, il a faim ce chat-là, il pigne. Ils ont peur, et évidemment, ils se reproduisent. Eh bien, l'espèce humaine, pendant des centaines de milliers d'années, elle a eu les mêmes prégnances que les animaux. Et donc, ça, on a été fait, notre cerveau est câblé, on pourrait dire, il est neuronalement câblé pour répondre à ces trois prégnances fondamentales. Le mot prégnance est un mot très précis chez moi, et qui vient de la théorie de René Thom, qui est ce mathématicien français. Donc il faut regarder les choses de manière précise, sinon on dit des bêtises. Bon. Alors évidemment, l'espèce humaine se distingue parce que tout objet peut devenir susceptible d'émettre une prégnance, tout objet. Ça a été très bien étudié par Freud, notamment, hein, quand il a découvert un
un objet peut devenir source d'attachement au point que c'est l'essentiel de votre vie. L'exemple le plus fondamental, c'est les religions. Il y a des gens, figurez-vous, il y a même plus de la moitié de l'humanité, je ne sais pas quelle est, c'est pour ça que j'en parle très librement, moi je suis profondément athée, mais il y a plus de la moitié de l'humanité qui croit en un dieu ou en un autre. Hein. Ma fille, elle est hindouiste, par exemple, et il y a un temple hindouiste juste à côté du mur, là. Un temple hindouiste. Ben, on ne le voit pas d'ici, c'est de l'autre côté. D'accord. Donc, voilà, Krishna, Vishnu et tous les trucs, là. Il y a une cosmogonie considérable. Il faut voir la subtilité de l'hindouisme. C'est comme la subtilité de la chrétienté. Hein. C'est extrêmement subtil. Il y a des milliers de pages qui montrent ce que c'est que le bien, le mal, les dieux, etc. Il y a des gens qui croient vraiment à ça. Ouais. Donc, c'est typiquement une prévenance qui n'a aucune valeur matérielle. C'est purement une invention et un bonheur sans fin pour les gens qui prient, les gens qui croient, etc. Ça n'existe pas du tout chez les animaux. Alors vous voyez, j'essaie de lui apprendre à sortir parce que là, il y a des chatières. Au début, j'avais mis simplement un plastique transparent et il arrivait à rentrer et sortir. Mais maintenant, c'est la vraie chatière avec un petit aimant, vous voyez, pour éviter que s'il y a trop de vent, ça, parce que c'est quand même une perte thermique. Ben oui. Eh bien, comme ça, je l'ai mis depuis un mois. J'avais pendant 4 ou 5 mois, mais uniquement le petit plastique, un morceau de plastique. Et bien maintenant, il a abandonné et il ne veut plus passer par la chatière. Mais comme il a, évidemment, cette maison est assez neuve, hein, contrairement à ce qu'on croit, ça fait 3 mois que je suis là. Alors du coup, il a pris l'habitude qu'on lui ouvre. Maintenant, il veut qu'on lui ouvre. Ah là là. On verra ça plus tard. Alors. Les chats sont forts pour mettre les humains à leur service. Oh là là, c'est un dominateur. Donc nous parlions des choses les plus intéressantes. Enfin, c'est-à-dire, donc les prégnances. Il y en a des milliers, il y a autant que d'objets et de fantasmes dans l'esprit humain. Mais quand même, notre câblage neuronal, comme je l'ai dit, est essentiellement fondé, donc notre architecture, voire même une partie de notre pensée, fondée sur le fait qu'il faut résoudre les problèmes des trois prégnances principales, la faim, la libido et la peur. Et du coup, l'espèce humaine s'est plutôt bien débrouillée pour la libido. On est 7,5 milliards, alors comme espèce, disons, envahissante et qui pond, pendant que les autres crèvent, nous, on en a de plus en plus. Bon. Pour la faim, bon, ben, y a encore des problèmes, il y a de la faim dans le monde, mais enfin, on a quand même invité au néolithique, on a inventé l'agriculture et les stocks. Bon, il y a des gens qui contestent ça, mais on ne peut plus être chasseur-cueilleur strictement parce qu'on est déjà trop nombreux, puis la nature sauvage n'existe plus pratiquement, même l'Amazonie. Ceci étant dit, il reste la peur, et là aussi on a inventé l'État, dont on a parlé, avec confiner la violence individuelle et la vengeance. Bon. Ça, on a à peu près réussi, mais c'est fragile. C'est ce qu'on appelle les pouvoirs régaliens des États, ou l'agriculture, ou la reproduction, avec le planning familial, on en a parlé, la démographie et tout. Pour le reste, ben, on laisse les gens libres de faire ce qu'ils veulent, de croire à ce qu'ils veulent et de faire ce qu'ils veulent, s'ils veulent être adorateurs de l'oignon ou quoi que ce soit. Mais notre cerveau n'est pas préparé à un événement aussi considérable que, par exemple, la mort, en quelques mois ou années, de la moitié de l'humanité. Il n'est pas du tout préparé à ça, et donc c'est ce qu'explique bien le philosophe Günther Anders, c'est ce qu'on appelle un phénomène supraliminaire. C'est-à-dire qu'il est au-delà de la compréhension possible de notre appareil cognitif. Ce n'est pas possible qu'on y pense. Tous les jours, de manière délibérée, je parle massivement. Un individu peut le faire. On peut écrire un livre sur l'effondrement. Mais ce n'est pas possible qu'une civilisation, que 7,5 milliards d'habitants qu'on est maintenant, d'un seul coup se dise, mais oui, on va vers l'effondrement, donc on va changer nos habitudes, et on va faire de la permaculture, puis on va vivre sobrement, etc. C'est impossible. Donc voilà un premier argument pour montrer que cet effondrement, basé sur les rapports scientifiques des gens qui étudient le système Terre, ne peut pas être changé, ne peut pas être évité par l'espèce humaine elle-même, elle n'a pas les capacités cognitives de le faire. Alors deuxième chose, c'est un autre phénomène, c'est le phénomène que j'ai appelé l'interaction spéculaire, c'est pas moi qui ai inventé ça non plus, c'est Jean-Louis Vuillère. La spécularité, d'une certaine manière, mène le monde. Je ne parle pas de la spécularité des gens qui spéculent sur les marchés financiers. C'est la même chose, mais enfin bon. C'est de dire que on ne vit pas simplement pour soi et en soi. On vit sous le regard des autres. C'est le phénomène fondamental du comportement. Et donc, c'est parce que les autres font comme ça qu'on fait comme ça. Alors, c'est le phénomène de l'imitation. C'est le phénomène de la mimésis ou du mimétisme,
comme disait René Girard, mais il y a un phénomène plus complet qui a été décrit par Jean-Louis Vienne, qu'on appelle l'interaction spéculaire. Et bien, en gros, on s'imite les uns les autres, pour le bien comme pour le mal. Et donc, par exemple, supposons que Emmanuel Macron lise mon livre, et il dit, mais c'est tout à fait vrai, ça. Mais il a raison, ce cocher-là. Il faut changer toute la politique française. Il ne le fera pas. Et pourquoi il ne le fera pas? Parce que s'il le faisait, il faudrait par exemple dire, comme prenons l'exemple de la politique des transports, il faudrait dire à Renault et Peugeot, il faut maintenant construire des calèches et des fiacres et des diligences, et il faut multiplier par 10, voire par 100, le nombre de haras nationaux pour faire des chevaux de trait, et dire à Renault et Peugeot, c'est fini les voitures électriques. Il ne le fera pas. Il serait assassiné le lendemain, et en plus, il perdrait surtout la reconnaissance des autres. Ses pairs, on le voit bien, il est fier, c'est Macron, c'est Jupiter, hein. Ses pairs, c'est Madame Merkel, M. Trump, M. Poutine, enfin, il joue avec ça, et donc, ses pairs diraient qu'il est devenu fou. Et donc, même s'il était convaincu dans son âme intime, et ça, c'est la thèse du bouquin de Fred Vargas, elle a écrit son bouquin, elle est catastrophiste aussi, et il est aussi alarmiste que moi, très largement, elle décrit tout ce qui va arriver, il va être affreux. Eh bien, mais elle dit, ce qu'il faut, c'est le dire aux puissants, les puissants politiques, les puissants économiques, parce qu'eux, ils savent la vérité, mais ils la cachent à nous. Alors ça, c'est faux. Moi, j'ai vécu 23 ans dans la politique professionnelle, je connais bien les gars, hein, de toutes les espèces, aussi bien à droite, à gauche, c'est pas le problème, hein. Tout ça est très transversal. Non, ils ne savent pas ça. Quand ils disent, moi, on va rechercher plus de technologie, plus de marché et plus de croissance, ils sont sincères. Et c'est ça qui était effrayant, c'est qu'ils pensent que c'est sincèrement la solution. Alors que moi, je pense que c'est un élan vers le pire. C'est-à-dire, plus ils vont rechercher ça, plus vite l'effondrement va arriver et plus il sera catastrophique. Donc je pense vraiment totalement différemment. Hein, totalement différemment. Donc ils sont vraiment sincères, ils ignorent ça. Et encore une fois, serait-il convaincu par mon livre, ou celui de Pablo, ou celui d'un effondriste quelconque, qu'ils ne pourraient même pas le dire, parce que leur femme, leur mari, leurs enfants, et surtout leurs rivaux pour les places. Il faut voir ce que c'est que la politique, moi je connais bien ça. La politique, la moitié du temps passé, du temps réellement passé par les gens qui sont députés, qui sont maires d'une commune, qui sont présidents de la République, qui sont à la Commission européenne, qui sont députés européens, peu importe, tous les élus, ils ne pensent qu'à une seule. Sauf peut-être certains élus locaux dans les petits villages. Mais la plupart des élus disent, ce qu'il faut, c'est que je ne me fasse pas piquer ma place parce que je veux être réélu, tellement c'est bien. Parce que quand je suis un élu, je suis un homme important. Les gens me considèrent, ah bonjour monsieur le maire, ah il m'a dit monsieur le maire, je suis un homme important. Et donc l'image de moi, eh bien c'est une image extrêmement gratifiante. Et tout le monde veut avoir une image de soi. Et qui est-ce qui gratifie les autres? C'est pas soi-même. En disant, regarde, c'est pas dans la glace, c'est pas Narcisse du tout. Hein. Il se regarde dans la glace, je suis le plus beau, dans l'eau. C'est les autres qui vont me dire, je suis un homme ou une femme important. Ça, c'est pas genré. Hein. Mon discours n'est pas genré du tout. Même si on peut le faire, mais pas bon. Et donc, l'interaction spéculaire consiste à dire, eh bien, j'ai une certaine manière, la même idéologie dominante. L'idéologie dominante, c'est que les gens, la plupart des gens, croient la même chose que les autres. Et donc, faire changer d'idéologie, ça dure des siècles. Regardez ce qu'il a fallu faire. Il y a eu la Révolution française en 1789. Et là, on a dit, on est tous égaux. Hein, d'ailleurs, c'est l'article 1. Les hommes naissent et demeurent libres, et, enfin, égaux en droit. Tu parles, les femmes en France, qui étaient vraiment la France, la nation la plus intelligente, préceptrice de l'humanité, on est les meilleurs en France, avec Descartes et Napoléon, n'est-ce pas? La France a mis 150 ans avant que les femmes aient les droits de vote. Enfin, tout ça est ridicule, quoi. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Pas du tout. On met 150. Donc ça dure très longtemps, le fait de changer d'idéologie. Très longtemps. Là, on est dans le compte à rebours. C'est une question de 10 ans ou 20 ans. Donc on ne changera pas. Les gens continueront à croire, c'est des croyances religieuses au sens religieuse, hein, que la technologie, le marché et la croissance vont sauver le monde. Et c'est pas encore une fois par mauvaise volonté, c'est par interaction spéculaire. D'une part, c'est pas ce que j'ai appelé la psychologie évolutionnaire, on ne peut pas penser à ça continuellement, et d'autre, on n'est pas câblé pour ça, et d'autre part, si j'y pensais, moi actuellement les gens me traitent de fou. D'ailleurs, c'est pour ça que je me moque de moi dans mon propre livre, puisque je me compare à Philippulus,
C'est ce héros, un héros malheureux, dans Tintin, l'étoile mystérieuse de 1953-54. Et en gros, c'est un frappadingue un petit peu genre Bond, hein, qui dit, il tape sur un tambourin et dit, repentez-vous, la fin du monde est proche. C'est moi, Philippulus. Et les gens, maintenant, me considèrent... Maintenant que j'ai quitté la politique professionnelle, et que j'essaye de voir ce qui me semble le plus probable, parce que les gens disent, mais t'as un scénario quand même, le chapitre central, c'est quand même extrémiste, hein. C'est très extrémiste. Il y a quand même des scénarios plus raisonnables. Mais au contraire, ce que je développe, c'est le plus raisonnable, le plus rationnel, le plus probable qui soit. Parce que c'est basé uniquement, c'est pas basé sur des conversations et des opinions entre humains, c'est basé sur des faits, des chiffres et des évolutions. C'est les rapports du GIEC, c'est les rapports de l'IPBES, c'est les rapports du CNUE. Ça, c'est du sérieux. Et encore, ces rapports-là sont évidemment rabotés par le fait que, comme ils sont entre eux, il y a le phénomène spéculaire, et donc ils disent non, on essaie de dire que ça ne va pas être trop grave. Du coup, 5 ans après, ils font le rapport, comme je vous ai dit, 5 ans après, ils disent on s'est trompé là, hein, parce que les rapports du GIEC, il y en a 5 maintenant depuis les années 89, je crois, le premier rapport du GIEC, ou 90, le premier rapport du GIEC. Alors, lisez le rapport du GIEC, le premier rapport du GIEC de 89, par rapport à celui de maintenant là. Mais ils disent c'est 10 fois pire, quoi, ils annoncent vraiment la fin du monde. Ouais. Et encore, ils rabotent, hein, c'est des litotes qu'ils mettent. Donc c'est ça qui explique que l'effondrement est sûr. C'est des phénomènes qui tiennent à la psychologie sociale et à la psychologie évolutionnaire. Donc on ne peut pas l'éviter. C'est impossible. C'est pas évident. Alors je vois bien Greta Thunberg et les jeunes pour le climat le vendredi. Ouais, il faut manifester. Et puis il faut dire aux puissants. D'ailleurs, Greta Thunberg, elle va pleurer à l'Assemblée nationale ou elle va pleurer aux Nations Unies. Là, on l'a vu il y a encore un mois, parce que c'était la gêne des Nations Unies. Vous avez volé ma jeunesse. Prenez des décisions, bande de salauds. Mais c'est pas la peine d'interroger les puissants. Ils ne pourront pas changer. C'est impossible. C'est ce que j'essaie de démontrer à dizaines de pages dans le livre. Donc faut pas s'intéresser aux puissants. Alors toutes les histoires de COP21, COP25, tout ça, c'est fini. Ça ne marchera. Jamais les politiques ne pourront prendre des décisions à la hauteur voulue. Jamais, jamais, jamais. Alors bien sûr, on amuse les écolos en mettant quelques éoliennes par-ci, quelques photovoltaïques par-là, on donne 3 sous au ministère de l'Environnement, tout ça est ridicule. C'est pas du tout... Il en faudrait 100 fois plus, quoi. Une révolution des cerveaux, c'est pas possible, parce que c'est une question d'évolution. Donc l'effondrement est absolument certain, à cause des problèmes de psychologie collective et de psychologie sociale et cognitive. C'est pas une question simplement que la nature va mal. La nature, elle ira de plus en plus mal, et personne n'y pourra rien. Et en plus, le phénomène est que la nature, maintenant, est un automate déchaîné que aucun puissant ne peut arrêter. Il y a des phénomènes qu'on appelle, là aussi, non-linéaires, des phénomènes de rétroaction positive. Positive, c'est pas au sens positif des bisounours, hein. Ça veut dire de boules de neige qui s'auto-entraînent eux-mêmes. La fonte du pergélisol, par exemple, c'est ce qui est, à mon avis, le plus grave. Le plus grave, parce qu'on peut gagner, peut-être, en 2035, je ne sais pas quand, encore une fois, je ne suis pas à 5 ans près, hein. Mais en 2035, on pourra gagner peut-être 1 degré en 2 ans, 1 degré moyen, alors qu'on n'a même pas gagné, on a gagné 1 degré 3 depuis 1750. Donc depuis plus de 2 siècles et demi, on a gagné 1 degré 3. Peut-être qu'en 2 ans, là, on gagnera 1 degré si le pergélisol fond. Or, la différence entre le pergélisol et le sol pas gelé, le permafrost, c'est des dixièmes de degrés. Ce qu'on appelle un changement de phase en physique. Tout ça est très connu, c'est pas du tout linéaire. Alors là, il n'y a pas plus non linéaire que le changement de phase. Quand vous êtes à moins 0,1 degré, vous êtes de la glace. Vous êtes à plus de 0,1, vous êtes de l'eau liquide. Pouf ! Donc c'est pas du tout linéaire. À 0,2 degré près, vous êtes glacé ou au contraire liquide. Ça peut arriver pour le permafrost. Et à ce moment-là, la libération de méthane sera considérable. Le méthane étant... ce qu'on appelle un pouvoir radiatif 30 fois supérieur à celui du CO2. Et là, il y aura des fontaines de méthane, et vous gagnerez peut-être, certains disent, 1 degré en 2 ans. 1 degré moyen en 2 ans, c'est la fin du monde, mais là, au sens thermique du terme, c'est ce qu'on appelle le scénario Vénus, la planète chauffe. Voilà. Et c'est pas moi qui invente ça, hein. C'est pas moi qui fais fondre le permafrost. Hein. Le président de la République lisait votre livre. Vous savez que le Premier ministre a lu Jared Diamond. Oui. Mais ça, c'est de la com. Il a lu Jared Diamond. Mais Jared Diamond, c'est un très bon livre, un très grand savant. Mais il n'a étudié que les effondrements du passé qui n'étaient ni systémiques ni mondiaux. Or, moi, j'insiste bien, c'est systémique et mondial. Sinon, Fukushima, c'est une sorte d'effondrement. Et même l'île de Pâques, c'est l'effondrement des passoyens. Mais pendant ce temps-là, la civilisation indienne ou la civilisation chinoise continuait.
pas du tout mondial. L'idée de Pâques, c'est intéressant parce que c'est la totalité de l'espace vivant qu'il y avait autour d'eux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, de monde ailleurs que mais chez oui, mais eux. Si, mais oui, mais objectivement, il y en avait quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais c'était une terre en miniature. Oui, mais bien sûr, c'est un espace culturel. Ouais. Mais comme d'ailleurs la Chine pense qu'elle est seule au monde, hein, depuis Confucius. Mais là, c'est objectif. Comme disent nos amis américains, « This time, it's different ». Donc aucun effondrement, même l'effondrement de l'Empire romain, dont j'aurais d'ailleurs même étudié beaucoup les choses, pendant ce temps-là, la Chine continuait. Et il y avait des royaumes en Afrique, et il y en avait même en Amazonie, des grandes villes en Amazonie. Non, là, c'est mondial, quoi. C'est comme ça. Très bien. Eh bien, voilà. Merci, merci à vous d'avoir eu la patience d'écouter mes pensées, parce que je vais dire des bêtises.